La vitesse est limitée à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler à 110 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a la règle et il y a le comportement par rapport à la règle. Ici, la limitation de vitesse est fixée à 110 km/h car je circule sur une voie rapide à chaussée séparée. C'est la règle. Cependant, le revêtement est recouvert d'une pellicule d'eau ou de neige fondue, ce qui revient au même. Je risque ici l'aquaplanage. Je ne peux donc pas en toute sécurité circuler à la vitesse maximum autorisée. Question numéro 2. Je dépasse? Réponse A. Je reste dans cette voie? Réponse B. Je me rabats à droite? Réponse C. Sur cette route à double sens, deux voies sont affectées à mon sens de circulation. Une voie est affectée aux véhicules circulant en sens inverse. Les flèches de rabattement signalent la fin de la voie centrale. Une seule voie va être affectée à mon sens de circulation. Ces flèches incitent les conducteurs à se rabattre sur la voie de droite. J'ai terminé le dépassement de ce véhicule. Je me rabats à droite. Bonne réponse, C. La signalisation indique un virage à droite. A. Un virage à gauche. B. La suppression de la voie de gauche. C. Une interdiction de dépasser. D. Le premier panneau annonce un virage à gauche à 200 mètres alors que la balise bleue et blanche jalonne la courbe à droite que je suis en train de négocier. Aucune signalisation n'annonce la suppression de la voie de gauche ou une quelconque interdiction de dépasser. Ici, un dépassement dans le virage serait possible car la chaussée est à sens unique et la ligne médiane discontinue. Question 4. Sur autoroute, à 130 km/h, je parcours en une seconde environ 15 mètres. Réponse A, 22 mètres. Réponse B, 29 mètres. Réponse C, 39 mètres. Réponse D. Vous devez en permanence être capable d'estimer votre vitesse en mètres par seconde. Cela se révèle important lors de situations d'urgence, comme un ralentissement brusque, un obstacle imprévu, mais aussi pour le calcul de votre distance de sécurité qui doit correspondre à la distance parcourue en 2 secondes. À 130 km/h, vous parcourez environ 39 mètres par seconde. Réponse D. Passé. Question numéro 5. Je peux faire un appel lumineux? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'usager qui vient de la droite est correctement arrêté à une intersection signalée par un cédez le passage. Je n'ai aucune raison de klaxonner puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Cependant, je peux faire un appel lumineux afin de signaler ma présence. Bonne réponse, A et D. Question numéro 6. À la prochaine intersection, je céderai le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si
Ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Je bénéficierai de la priorité de passage à toutes les intersections que je rencontrerai. Ce signal implanté sur le panneau d'entrée d'agglomération indique que je conserve la priorité de passage jusqu'à la rencontre de cet autre signal indiquant la fin du caractère prioritaire de la route. Bonne réponse. B. Question numéro 7. Je peux dépasser ce véhicule par la droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule indique son intention de tourner à gauche. Il se place à gauche de la chaussée pour effectuer sa manœuvre. Je serre à droite. Et s'il ne dégage pas la chaussée, je peux le dépasser, car l'espace à droite est suffisant. Bonne réponse. A. Question numéro 8. Je suis bien placé pour rejoindre Libourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bergerac. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux indiquent les directions desservies par les voies. En restant dans cette voie, je vais en direction de Libourne et Bordeaux, par exemple. Pour aller en direction de Bergerac, je dois emprunter cette sortie. La voie desservant Bergerac est délimitée par ce marquage au sol, aux traits épais et rapprochés. Il s'agit d'une voie de décélération. Je me situe au début de la voie. Je peux encore emprunter la direction de Bergerac. Bonne réponse. A et C. Question numéro 24. Ce piéton est prioritaire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, on arrive à une intersection. Donc, géré par des feux tricolores. Donc, si les véhicules ont des feux tricolores, c'est-à-dire les piétons ont des feux aussi. Donc, c'est moi, j'ai le feu vert tous les passages piétons que je vais rencontrer sur ma route. Les piétons, forcément, auront le petit bonhomme rouge, ce qui est une obligation. Par contre, attention, si on tourne à droite, le feu des voitures est rouge, donc le feu des piétons sur les autres routes sont verts. Et par contre, ce piéton, est-ce qu'il est prioritaire? Alors non, moi j'ai le feu vert, donc ce piéton a obligatoirement son petit bonhomme rouge. Donc bien sûr, elle n'est pas prioritaire. Est-ce que pourtant je vais klaxonner? Donc non, dans cette situation, il faut être courtois. Ok, elle n'a pas traversé, mais bon, c'est pas une raison à klaxonner. Je vous rappelle, le klaxon en ville, c'est seulement en cas de danger immédiat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter le danger autrement par le klaxon là. Bien sûr, on peut éviter le danger. Il suffit de ralentir, de laisser passer ce piéton et on reprend notre chemin. Donc, on n'a pas à klaxonner. Donc, ce piéton est prioritaire. Donc, non, mais je ne klaxonne pas. Bonne réponse, B et D. Un moteur froid consomme et pollue plus qu'un moteur chaud. Oui. A. Non. B. Lorsqu'il est froid, un moteur s'use plus vite, consomme beaucoup plus et pollue bien plus que s'il est chaud. À kilométrage égal, le coût des déplacements sera beaucoup plus élevé si je fais une multitude de petits trajets au lieu de longs parcours. Le vent souffle de droite, réponse A. De gauche,
Réponse B. Je risque des écarts de trajectoire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette mouche à air est généralement implantée dans des zones où le vent souffle fréquemment avec violence. Son orientation et son inclinaison du moment permettent de connaître le sens et la force de celui-ci. Ici, le vent souffle très fort de la droite, ce qui peut entraîner des écarts de trajectoire vers la gauche. Pour réduire ce risque, je dois dès maintenant ralentir et tenir plus fermement mon volant. Réponse A et C. Type à une surconsommation, le poids du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'aérodynamique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le poids du véhicule a un effet important sur la consommation de carburant. Ceci est valable pour le poids de la voiture, mais également pour toutes les charges additionnelles, comme les bagages. L'aérodynamique influence aussi la consommation de carburant. Ainsi, les accessoires, tels que les coffres de toit, augmentent la résistance à la pénétration dans l'air. Question numéro 13. Faire le même trajet tous les jours augmente le risque d'accident? Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente la vigilance? Oui, réponse C. Non, réponse D. En effectuant tous les jours le même trajet, le conducteur fait moins attention à ce qui l'entoure, sa vigilance diminue. Par exemple, une intersection habituellement peu fréquentée reste une intersection, et donc une zone à risque. Le conducteur ayant l'habitude de ne voir personne à une intersection risque de passer sans regarder le jour où un autre usager sera présent. En diminuant sa vigilance sur les trajets quotidiens, le conducteur augmente le risque d'accident. Un accident mortel sur 5 survient sur le trajet domicile-travail. Bonne réponse, A et D. Question numéro 14. La vitesse est limitée à 30 km/h si je vais tout droit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau indique l'entrée d'une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. Une zone est composée d'une section de route ou d'un ensemble de rues qui forment à l'intérieur d'une agglomération une zone de circulation homogène dont les entrées et les sorties sont signalées par ces deux panneaux. La vitesse est donc limitée à 30 km/h, quelle que soit la rue empruntée, jusqu'au panneau qui marque la sortie de la zone. Bonne réponse, A et C. Question numéro 15. Durant le temps de réaction, le véhicule continue à la même allure, réponse A, ou ralentit, réponse B. Le temps de réaction est le temps nécessaire au conducteur pour percevoir une situation, traiter l'information et prendre une décision. En moyenne, il faut une seconde pour réagir. Durant le temps de réaction, la voiture continue d'avancer à la même allure, puisque le conducteur ne freine pas. Bonne réponse, A. À la prochaine intersection, je céderai le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, ce panneau, qu'est-ce qu'il annonce? Donc, c'est un panneau de danger avec sa petite croix. Donc, ça annonce une intersection où tout le monde devra céder le passage à sa droite. Donc, du coup, je cède le passage à droite, mais pas à gauche. C'est uniquement à droite. Donc, bonne réponse A et D. Question numéro 17. Où se situe le danger le plus important si je continue tout droit? Zone 1, réponse A. Zone 2, réponse B. Zone 3, réponse C. J'aborde une intersection. Réglé par des feux tricolores. Je me suis engagé dans l'intersection. Le feu est donc vert sur cet axe de circulation. Les usagers venant de gauche et de droite rencontrent un feu rouge. Le véhicule rouge à droite est arrêté au feu. L'usager devant moi tourne à droite. Cet usager en face a indiqué son intention de tourner à gauche. Pour cela, il doit traverser ma voie de circulation. Avant de continuer tout droit, je m'assure que cet usager va bien me céder le passage avant de s'engager. Bonne réponse, C. Question numéro 18. Je dois passer en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entre dans une agglomération non éclairée. Sur route non éclairée, que je sois en agglomération ou hors agglomération, je dois circuler en feu de route. Attention, si je croise ou suis un autre usager, je devrais passer en feu de croisement. Bonne réponse, B. Question numéro 19. Lors d'un accident corporel, je dois dans l'ordre secourir, alerter, protéger. Réponse A. Secourir, protéger, alerter. Réponse B. Protéger, alerter, secourir. Réponse C. Tout usager arrivant le premier sur les lieux d'un accident doit s'arrêter pour porter secours. Il doit, dans l'ordre, protéger les lieux pour éviter un suraccident, alerter les secours, secourir les victimes. Tout usager peut rester aux côtés d'un blessé en attendant l'arrivée des secours, en le réconfortant et en le couvrant avec une couverture ou un vêtement. Bonne réponse, C. Question 20. Je fais des appels lumineux. Réponse A. Je peux klaxonner. Réponse B. Je freine. Réponse C. Je maintiens mon allure. Réponse D. Le véhicule gris arrive sur ma gauche. Son conducteur doit me céder le passage. Sa visibilité est cependant masquée par les véhicules en stationnement à gauche. Son conducteur ne me voit sans doute pas et les appels lumineux seraient certainement inutiles. Mais le risque d'accident existe. Je klaxonne et je freine progressivement si possible afin de ne pas surprendre l'usager qui me suit de près. Réponse B et C. Question 21. Je peux emprunter la route à droite si je conduis une voiture? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une camionnette? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le sens interdit est complété par un panonceau qui précise que cette route sera interdite à la circulation 400 mètres après le panneau. Je peux donc l'emprunter sur cette distance avec une voiture ou une camionnette. En effet, à partir du panneau, la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Elle ne me concerne donc pas, même si je circule à bord d'une camionnette. Réponse A et C. Je me prépare à effectuer un dépassement. J'allume le clignotant de suite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me contente des informations données par ce rétroviseur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant de mettre le clignotant pour signaler son déport dans la voie de gauche, il faut s'assurer qu'aucun autre véhicule ne s'y trouve déjà. Certains rétroviseurs extérieurs, comme ici, sont équipés d'un briseur d'angle mort qui permet d'élargir le champ de vision sur le côté, mais il n'est pas suffisant et l'angle mort subsiste. Le véhicule à gauche est trop près pour me permettre de dépasser. Question numéro 23. Pour des raisons de disponibilité de place, le stationnement sur une aire de repos est limité à 15 minutes. Oui, réponse A. Non, réponse B. 2 heures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque je parcours de longs trajets en véhicule, je dois régulièrement m'arrêter, environ toutes les 2 heures, durant un minimum d'un quart d'heure, afin de me reposer. En effet, sur autoroute, un accident mortel sur 4 est dû à la fatigue. Il n'y a pas de durée maximale de stationnement sur les aires de repos. Si je suis trop fatigué et que j'ai besoin de dormir plusieurs heures, je peux le faire sans problème. Il est en effet préférable de perdre quelques heures pour se remettre en forme que de perdre sa vie et éventuellement celle des autres en circulant fatigué. Stationnement est autorisé sur le trottoir si je laisse suffisamment de place pour les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si des emplacements sont délimités. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les trottoirs, même s'ils sont larges et qu'ils pourraient accueillir, comme ici, des véhicules sans gêner les piétons. Dans cette situation, il faudrait un panneau qui l'autorise, à défaut de marquage au sol difficile à peindre sur du gravier. B et C. Question 25. Je suis titulaire du permis depuis moins de 2 ans. À partir du panneau, je pourrais circuler à 100 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 70 km/h, réponse D. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Titulaire du permis depuis moins de 2 ans, ma vitesse sera donc limitée à 80 km/h dès le panneau de sortie d'agglomération franchi. Je ne suis cependant pas tenu de rouler à la vitesse maximum autorisée. Je pourrais donc circuler à 70 ou 80 km/h. Réponse C et D. Question numéro 26. Je passe à allure modérée, réponse A, ou je cède le passage aux piétons, réponse B. Lorsque les piétons sont engagés sur un passage pour piétons, je dois m'arrêter pour leur céder le passage. Bonne réponse. B. Question numéro 27. La vitesse est limitée à 40 km/h, réponse A, 50 km/h, réponse B. Elle s'applique à cette seule rue, réponse C, à toutes les rues, réponse D.
Ce panneau indique une entrée d'agglomération. La vitesse y est limitée à 50 km/h, sauf indication contraire. Ici, un panneau d'interdiction limite la vitesse à 40 km/h. Placé sur le même support que l'entrée d'agglomération, cette limitation de vitesse s'applique à toutes les rues. Bonne réponse, A et D. Question numéro 28. Pour faire un arrêt, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place le long du trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette voie, délimitée par des traits larges et discontinus, matérialise une bande cyclable. Réservé à la circulation des cycles, le stationnement, comme l'arrêt, y sont interdits. En revanche, les marques à droite délimitent des emplacements pour stationnement. Pour faire un arrêt, je me place le long du trottoir. Bonne réponse, B et C. Question numéro 29. Les lumières bleues signalent la distance de sécurité à respecter. En circulation, oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrêt, oui, réponse C, non, réponse D. Les lumières bleues présentes sur les parois du tunnel signalent la distance de sécurité à respecter entre deux véhicules qui se suivent dans le tunnel. Pour conserver une bonne distance de sécurité, je dois donc voir deux diodes bleues entre mon véhicule et celui qui me précède, aussi bien en circulation qu'à l'arrêt. Bonne réponse, A et C. Question numéro 30. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la vitesse du véhicule, oui réponse A, non réponse B, de l'adhérence de la chaussée, oui réponse C, non réponse D. Le temps de réaction est le temps nécessaire au conducteur pour réagir à une situation. Pendant ce temps, le conducteur n'agit pas sur le véhicule. Ainsi, la distance parcourue pendant le temps de réaction ne dépend pas de l'adhérence de la chaussée. En revanche, elle dépend de la vitesse à laquelle circule le véhicule. Bonne réponse, A et D. Question 31. La signalisation interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation, dont les voies sont séparées par une ligne continue. Je n'ai pas le droit de la chevaucher ou de la franchir pour dépasser. D'autre part, ma voie de circulation est aussi bordée à droite par une autre ligne continue. Je ne suis donc pas autorisé à utiliser l'accotement pour stationner. Réponse A et C. Je dois céder le passage à droite s'il s'agit d'une rue qui débouche. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un accès de résidence avec un bateau le long du trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très difficile. La notion du bateau pour descendre sur l'axe de circulation fait toute la différence. S'il n'y a pas de bateau, c'est une rue où je dois céder le passage à droite. S'il y a un bateau, c'est un accès à une résidence où les usagers qui en sortent doivent céder le passage.
Je reste cependant très prudent car cette règle n'est pas bien connue. Si je sors d'un tel lieu, je cède le passage. Question numéro 33. Je circule à 80 km/h. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette descente, je peux circuler au point mort. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique, comme l'indique le rail de sécurité et la ligne continue à gauche. La voie la plus à droite est délimitée par des traits larges et rapprochés. C'est une voie réservée aux véhicules lents. Les véhicules qui circulent à 60 km/h et moins sont obligés de circuler sur cette voie. Je circule à 80 km/h. Je suis mal placé. Dans les descentes, il est très important de garder une vitesse enclenchée pour conserver du frein moteur. Je ne passe pas au point mort. Bonne réponse, B et D. Question numéro 34. J'utilise les feux de position seule, réponse A, de croisement, réponse B, de route, réponse C. Sur chaussée non éclairée, je dois circuler en feu de route pour voir le plus loin possible. Toutefois, je dois passer en feu de croisement dès que je croise ou suis un autre usager. Ici, je croise un piéton. Je dois donc utiliser les feux de croisement pour ne pas l'éblouir. Je repasserai en feu de route dès que je l'aurai croisé. Bonne réponse, B. Question numéro 35. Je ralentis et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je fais des appels lumineux. Réponse D. Les piétons du côté droit, comme le piéton à gauche, viennent dans ma direction. D'un côté comme de l'autre, je dois laisser un intervalle d'un mètre, puisque je circule en agglomération. Il est vraiment totalement inutile de manifester un quelconque agacement envers ces piétons qui se déplacent dans cette rue étroite, dépourvue de trottoir. Je ne fais donc ni appel lumineux, ni appel sonore. Je m'arrête et attends que la chaussée soit libre pour m'engager, et je reste courtois. Bonne réponse, B. Avant de quitter mon véhicule, je m'assure de la fermeture des vitres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Déverrouillage des portes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, avant de quitter mon véhicule, avant de le laisser, alors bien sûr, il faut s'assurer que toutes les vitres du véhicule sont bien fermées pour éviter forcément des vols, soit dans le véhicule ou carrément du véhicule en lui-même. Et forcément, c'est la bonne fermeture, le bon verrouillage des portes aussi bien sûr. Donc, mon réponse A est C. Question numéro 37. Je continue tout droit. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde une intersection réglée par un feu tricolore. Le feu est jaune clignotant en bas. Aucun panneau ne complète le feu clignotant.
Je dois donc appliquer la règle de la priorité à droite avant de m'engager. Je ralentis et je cède le passage aux éventuels usagers arrivant de la droite. Bonne réponse, A et C. Je peux dépasser cette camionnette par la droite? Oui. A. Non. B. Par la gauche? Oui. C. Non. D. Le conducteur de la camionnette est en infraction car il roule sur la voie du milieu. Mais sa position n'enlève rien à l'interdiction de le dépasser par la droite. En effet, cette manœuvre serait dangereuse dans la mesure où il peut se rabattre d'un instant à l'autre. Un véhicule étant sur le point de me doubler, je ne dois pas non plus dépasser la camionnette par la gauche. En attendant l'arrivée des secours, je couvre cette victime. Oui, A. Non, B. Je lui parle. Oui, C. Non, D. Après avoir alerté les secours, je m'occupe de la victime en faisant au mieux ce que je sais faire. Comme une personne blessée a facilement froid, je la couvre. Si je possède une couverture de survie, c'est encore préférable. Je parle à la victime pour m'assurer qu'elle reste consciente et la rassurer. Pour faire mes achats quotidiens, si je me déplace à pied au lieu d'utiliser ma voiture, je réduirai les dépenses? Oui. A. Non. B. Les risques de maladies cardiovasculaires? Oui. C. Non. D. Utiliser ma voiture n'est jamais gratuit. Quand je roule, je consomme du carburant et j'use les pièces de mon véhicule. Ce dernier consomme d'ailleurs plus de carburant lors de petits trajets. À l'inverse, en me déplaçant à pied, je fais des économies et j'évite de polluer l'atmosphère. Enfin, marcher au moins 30 minutes par jour me permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires.